Salut à tous, c'est Géjor, toujours en compagnie de Saran et Sandar. Bienvenue dans l'épisode 5 de Cinéma Post-it. C'est parti! Cinéma Post-it. Cette semaine, nous sommes allés voir La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone. La La Land dont tout le monde nous rabat les oreilles, c'est génial, faut aller le voir, c'est un pur film. Donc on est allé sur les conseils de Retroxidia, que je salue au passage. Il est présenté comme étant une comédie musicale, et effectivement il y a des petits segments de comédie musicale avec des chansons, les mecs qui dansent et tout ça. Mais c'est pas que ça, il y a de grosses parties scénarisées plus traditionnelles, et tout ça se mélange plutôt bien. C'est l'histoire donc d'Emma Stone et de Ryan Gosling qui vivent dans la partie huppée de LA, quoi, notamment le quartier d'Hollywood, présenté un peu dans le film de manière un peu idyllique. Le film ne cesse de faire de référence à des vieux films, à la grande époque du cinéma, Fred Astaire et compagnie. Une nostalgie qu'on retrouve dès le début du film. Cinémascope, les cinémascopes, C'est pas mal, très bien amené, très bien mis en scène. Trip un peu intemporel où on sait pas trop bien à quelle époque ça se passe. C'est vraiment très bien fait. C'est ça qui est bien fait parce qu'on on a ce truc des génériques anciens au début. Et dès que ça commence sur une très belle scène d'ailleurs, on en parlera après. Voilà, avec un petit plan séquence. Un grand plan séquence. Des voitures modernes. Et du coup, on se dit. Qui écoutent, les mecs qui écoutent du son différent dans chaque voiture, ça c'est très cool. Avec du son très contemporain, avec du rap et tout, donc c'est assez. Cool. Après, direct, ça part en comédie musicale d'ailleurs. Et là. Moi, ça m'a plu. Moi, l'aspect comédie musicale du film, il y a à boire et à manger. Je me suis dit, bon, ok, c'est comédie musicale classique, traditionnelle, quoi. Mettre une chanson comme ça, moi aussi, perso, ça m'a un peu genre. Ok, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Ouais. Je suis pas un fan de comédie musicale, du coup, tout de suite, je me suis dit, comme Sandar, c'est ce qu'on a bien fait d'aller voir ce film, quoi. Mais oui, heureusement, ces passages comédie musicale sont très courts et il y en a assez peu dans le film. Ils sont contrebalancés par 2-3 autres moments, au contraire, excellents. Des moments de comédie musicale où il n'y a pas de parole, c'est le montage et la musique qui fait le taf. Il y a 2 scènes comme ça, excellentes, que je vais pas spoiler, mais à la fin et au tout début de l'histoire d'amour entre Ryan Gosling et Emma Stone. Histoire d'amour qui, au passage, est pas cuculable. Praline, comme on aurait pu le craindre, et qui est même excellente, heureusement, parce que c'est tout le film. Il y a quelques petites fulgurances, hein, comme je dis, dans cet aspect comédie musicale, donc les 2 moments sans chanson. Une chanson qui est vraiment excellente, où c'est Ryan Gosling et Emma Stone qui chantent vraiment City of Stars, d'après le générique, la seule chanson qu'ils interprètent vraiment eux-mêmes de A à Z, et la chanson de John Legend que moi j'ai kiffé personnellement, qui est malheureusement un peu dénigrée dans le film. Je suis d'accord qu'il y a un grand passage du film où il n'y a pas assez de musique. Imagine, ça aurait été 2 heures, 2 chansons comme celle d'ouverture. Moi je me suis dit ça aussi, ça va être comme ça. Quand tu prends les parabus de Cherbourg, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, presque toute la narration est faite de musique en fait, et je trouve ça trop cool. C'est un format particulier, et je trouve ça dommage qu'ils ne soient pas allés à fond dans Alors, ce format. Alors ça peut être cool. Mais si les musiques sont cool, quoi. Tenacious D par exemple, voilà le genre de comédie musicale que je trouve mortelle. Ouais, là, il y a des pures chansons et t'en veux plus. Tenacious D, c'est très moderne. La La Land, c'est pas moderne du tout. Et même pire que ça, c'est presque une ode à la nostalgie. Un petit parti pris qui m'a, moi, dérangé personnellement. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le parti pris du film, c'est c'était mieux avant. Oui. De toute façon, c'était mieux avant. Ce qu'on fait maintenant, ça peut pas être mieux. Ouais. Dans le film, ça se montre surtout par le prisme du jazz, qui est la passion de Ryan Gosling dans le film. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça peut pas être mieux maintenant que ça l'était avant. Ça peut pas évoluer. Or, dans le film, il y a tout un passage là-dessus où John Legend carrément explique à Ryan Gosling, non mais mec, il faut évoluer. Oui. Les jazzmen de l'époque, c'était des révolutionnaires. Sois comme eux et fais un truc moderne. Et d'ailleurs, John Legend arrive avec une chanson qui est pour moi la meilleure du film. Et le film, il présente non seulement John Legend comme étant un méchant. Ouais, c'est le méchant. C'est le méchant carrément. Son discours avec Ryan Gosling, qui est en fait plein de bon sens, sa chanson, elle est un peu dénigrée, elle est présentée comme étant une chanson de merde, et à laquelle Ryan Gosling participe, et parce que c'est un vendu, parce qu'il a besoin de fric. C'est l'illustration dans le film de ce parti pris, mais qui en fait est présent dans tout le film. Mmh. Dans tout le film, que ce soit sur le cinéma, le business de la musique, Hollywood, même Los Angeles. Même le côté Los Angeles, ils passent leur temps dans les vieux cinémas, les vieilles parties de la ville. Ils parlent même pas du nouveau Los Angeles. C'est pas en mettant un skater au début et en mettant un breakdancer au début qu'on fait un film moderne. Ça m'a donné un faux espoir. Le jazz, le free jazz, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je suis un fan de jazz japonais, comme ça se fait ce matin.
maintenant, qui est un jazz très moderne. Même, je vais partir dans un extrême, mais du Saint-Germain, qui est un jazz très électro. Et je trouve ça trop cool. Et je trouve ça dommage dans le film de pas, voilà, de faire passer ça pour le côté obscur. Ouais, c'est carrément, de la force du dans jazz. Le film, c'est carrément dénigré, en fait. Oui. Le truc qui est cool, c'est l'évolution. Et de voir d'où est parti un style musical, si on reprend le jazz, et où est-ce qu'il est aujourd'hui. Et le fait qu'il soit encore vivant grâce aux nouvelles évolutions, au mariage entre les différentes musiques. Les acteurs jouent super bien. L'histoire d'amour est cool. Le scénar est bien. La réalisation est top. La réalisation est top, et pourtant la réalisation elle a des fulgurances hyper modernes. Il y a des plans avec des mouvements de caméra hyper rapides. Pas facile de le noter parce que objectivement le film est bon. Moi je vais le sanctionner quand même sur son parti pris qui est trop c'était mieux avant et ça peut pas être mieux maintenant, qui moi est vraiment à l'opposé de ce que je pense. Je mets 7 parce que je veux récompenser les bonnes chansons, les fulgurances de réalisation et le jeu de Emma Stone et Ryan Gosling qui est super dans leur histoire d'amour, est vraiment super. Standard, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Et bah je vais lui mettre un 7 aussi, c'est exactement la note à laquelle j'ai pensé avant que tu la dises. Bah le scénario pour le coup il est super, il est très original. C'est ça. Il est simple mais il est super bien écrit et il fonctionne bien à tous les niveaux. Il fonctionne très bien. J'ai vu d'autres films, alors je saurais pas les citer comme ça, mais qui étaient plus efficaces là-dessus, enfin à faire quelque chose de différent on va dire. Bah Teenage Husdy, ouais. Si vous voulez une bonne comédie déjà. Musicale, regardez ça. Vous voulez pas un plus de Cherbourg? Pardon. Non. Je voulais faire un petit Cherbourg. Ça des sœurs jumelles, nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Pour moi, des acteurs impeccables, scénar aussi impeccable, vraiment. Un tout petit poil stéréotypé, mais à peine. Donc c'est impeccable pour moi, parce que de toute façon, stéréotypé, c'est normal. À la fin du film, je lui mets un 10 sur 10, parce que pour moi... carrément. Oui, franchement. Je mets pas un 11 ou un 12 à la Canard PC, parce que voilà, je trouve qu'il y a un moment de flottement au milieu. Un petit problème de rythme, mais qui pour moi est pas très grave en soi. Ça aurait peut-être mérité qu'il soit un peu raccourci. Une dernière fulgurance qui m'a fait, pour moi, lui mettre une note aussi forte, c'est... Moi, j'aime beaucoup les claquettes, et j'ai trouvé que leur truc de claquettes, pour le coup, était très moderne. J'ai jamais vu des jeux de claquettes avec des glissés comme ça, des bruits de frottement. J'ai halluciné, je trouvais ça super cool. C'est vrai que c'était assez cool. Et en fait, à la fin du générique, quand j'ai vu que c'était pas eux qui avaient tourné les scènes, que c'était pas Ryan Gosling qui jouait du piano, et que c'était pas Ryan Gosling qui dansait et tout, on ne sait pas trop, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cascadeurs pour les deux personnages principaux, et je lui mets un 8. Parce que du coup. Ça fonctionne juste pour ça. Oui, parce que pour moi, ça gâche tout le film. Pour moi, une comédie musicale, c'est le jeu, c'est montrer la performance. C'est une performance, mais, en fait. Non, mais c'est vrai. À l'époque des Parades de Cherbourg, Catherine Deneuve, elle tenait la baraque de A à Z, et celle qui chantait, celle qui dansait. C'est cheaté! C'est des effets spéciaux! Je suis pas content, Mais franchement, voilà, je leur ai mis un 10, quoi. Moi, j'ai plus ça un hommage des années 20, des années 30. Il y a un côté hommage, il y a un côté un petit peu dénigrement, tu vois, de... Mais en même temps, est-ce que le côté intemporel du film ne dit pas l'inverse de, justement, cette critique? Ah, peut-être. On vous laisse réfléchir là-dessus. À bientôt.